courtesy of Pedri. Voilà, c'est trop bon. C'est de ma mère là. Tellement c'est bon là. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les enseignements, ça y est maintenant vous êtes habitués, c'est votre série préférée, et pour me le faire savoir, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, je sais que c'est une sorte de slogan, mais pour une fois que je le dis pas souvent, prenez 5 secondes les amis pour liker cette vidéo, c'est tout ce que je vous demande, rien de plus. Retournons au Barça les amis, parce que ouais, il y a pas mal de choses à aborder aujourd'hui, parce que cette équipe, elle commence vraiment, vraiment, vraiment à faire peur. Parce que j'ai lu, vous savez, j'ai lu beaucoup d'avis de la part d'adversaires du Barça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, vous savez, cette vision externe des gens qui ont un avis parfois un peu moins biaisé que nous, les supporters, des gens un peu plus neutres, on va dire. Et ce qui en ressort souvent, c'est la même chose. C'est que ce Barça, ils sont tous unanimes. Ce Barça fait flipper. Maintenant, pour moi, c'est un peu trop tôt. Si vous me demandez mon avis, je vous dirai pas que ça y est, le Barça est de retour. Même si je sais que les gens vont venir me dire dans les commentaires, encore une fois. Ouais, monsieur, là, c'est à quel moment que tu t'enflammes ? C'est pas une question de m'enflammer ou pas de m'enflammer, moi je veux sur le long terme, d'accord? C'est excellent, c'est bien ce qu'on fait, j'en parlais d'ailleurs sur cette vidéo, on en a parlé depuis le début qu'on fait de bonnes choses, mais je suis encore prudent, mais ça va pas tarder, quand j'ai commencé à me lâcher vous allez me détester, mais pour l'instant, un peu de prudence. Ce Barça fait plaisir et le premier enseignement à tirer de tout ceci, c'est que Hansi Flick implique déjà tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Hansi Flick sait que le championnat c'est un marathon, que la Liga ne se joue pas qu'au bout de 5-6 journées, et qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il optimise son effectif, il utilise les joueurs, il les concerne pour que, sur le long terme, que les joueurs, les autres qui ne jouent pas, je veux dire, tout le temps comme titulaire, soit quand même impliqué lorsqu'il rentre. Après, quand tu plies tes matchs au bout de la mi-temps, c'est plus facile de faire tourner, d'impliquer les autres joueurs. Je pense déjà que Flick, il a trouvé son équipe type depuis la deuxième mi-temps contre le Rayo Vallecano, lorsque Olmo, il entre en jeu. À ce moment-là, je pense qu'il avait trouvé son équipe type. Et donc, lorsqu'on parle de joueurs qui ne sont pas forcément concernés tout de suite, je pense d'abord et avant tout à Pablo Torre, qui a joué contre Valladolid. Il est rentré, il a joué, je pense, une vingtaine de minutes, c'est déjà pas mal, sachant que voilà, il y a quand même beaucoup de concurrence. Fermin, avant sa blessure, il avait joué aussi contre Valladolid. Le seul qui n'avait pas énormément joué, c'était Hector Forte depuis le début de la saison. Il a eu des minutes, on avait vu Flick l'appeler après le match contre Valladolid, un peu pour le rassurer, pour le câliner un peu. Donc, sur le côté de la gestion humaine, il sait comment gérer son groupe. C'est pas, encore une fois, un groupe XXL en termes d'effectifs, mais il gère bien ce qu'il a en main, en fait. Il se plaint pas du fait qu'il n'ait pas tel nombre de joueurs, il prend ce qu'il a en main et il bonifie, il maximise le potentiel de tous ces joueurs-là. Lorsque tu vois aujourd'hui un Pau Victor qui entre, qui a la dalle, qui a envie de marquer, il n'a pas de réussite devant, il tergiverse un peu, je pense qu'il cherche encore son premier but officiel avec le Barça, au moins tu vois que voilà, tous ceux qui rentrent, ils sont concernés. Même Ferran Torres qui se prend un rouge, je pensais que pourquoi Ferran Torres se prend un rouge, mais c'est parce qu'il sait qu'il doit convaincre l'entraîneur de lui donner beaucoup plus de minutes, et c'est ça les joueurs en sortie de banc, ils veulent prouver, ils ont des choses à prouver, et cet excès d'engagement là qui résulte sur un rouge, ben je pense que tout part de là. Certes, c'est quelque chose de négatif au moment même des faits, mais lorsque tu t'assois, tu analyses un peu, tu te dis aussi, attends, c'est des mecs quand même, ils rentrent sur le score, il est de 4-0 ou 4-1, je sais plus, et ils rentrent avec cet engagement là quand même. Donc pour moi, c'est Flick qui inculque ça à l'équipe, et c'est quelque chose de positif pour le long terme, parce que demain, là, peut-être que Olmo, on ne le verra pas pendant quoi, une semaine, ils disent qu'ils doivent attendre encore les tests aujourd'hui, ce lundi, pour savoir ce qu'il en est. Mais si Olmo est absent, quelles sont tes options? On en parlera de toute façon de ça lors de l'avant-match pour Monaco dans la semaine, mais je trouve que voilà, impliquer les autres joueurs, c'est très important. Et lorsqu'on parle aussi d'esprit d'équipe, d'esprit collectif, tu vois sur la réaction des joueurs lorsqu'ils marquent tes buts, ils célèbrent tous ensemble avec les joueurs du banc, c'est quelque chose en fait qui
dégage ce qui se passe à l'intérieur, je pense, du vestiaire. Ces joueurs-là, ils forment un groupe, ils sont unis, ils forment un collectif. Et Flick l'avait dit, hein, la dernière fois, en conférence de presse d'avant le match contre, contre Gironde, pardon, il disait tout simplement que moi, ce que je demande aux joueurs, c'est qu'on attaque ensemble à 100%, qu'on défende ensemble à 100%, qu'on soit compact à chaque fois. Et Rafinha l'avait confirmé la dernière fois, lui aussi il a fait une interview où il disait que Flick ne lui demande pas grand chose en fait de manière spécifique, que Flick lui donne même une grande liberté sur le terrain, mais que tout ce que Flick lui demande c'est de donner en contrepartie le 100% de lui-même à chaque fois qu'il est sur le terrain. Et ça se voit, lorsque tout le monde va dans le même sens, lorsque tout le monde fait une équipe, fait un comme ça, ben c'est très difficile de bouger le Barça. Ça c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est tout simplement la polyvalence du danger. En fait, avec ce Barça, ça là, le danger vient d'absolument partout. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, le Barça en deux matchs vient d'inscrire 11 buts. Sur ces 11 buts, en règle générale, vous savez, vous dites à quelqu'un qui a pas regardé les deux matchs, sur ces 11 buts, tu sais que tu as un 9 comme le Robert Lewandowski qui a fait un 2 buts, qui aimerait inscrire des triplés et des doublés à chaque match. Vous demandez à un inconnu qui n'a pas regardé ce match-là, ou quelqu'un qui n'a pas regardé ce match-là, vous pensez que Lewandowski a marqué combien de buts sur ces 11 buts? Il vous dira instinctivement comme ça, il a marqué 4 ou 5 buts sur les 11. Alors que sur les 11, Lewandowski n'en a marqué qu'un seul. C'est vous dire en fait la facilité avec laquelle le Barça se procure des occasions, mais aussi et surtout de l'absence de dépendance à un seul joueur. Cela là, si vous enlevez Lewandowski, le Barça, c'est pas comme s'il était en difficulté en fait. Là, Lewandowski ne marque qu'un but sur les 11, mais Lewandowski, je me rappelle la saison dernière lorsqu'on jouait contre Gironde, il rate quelques occasions, on se dit, voilà, on ne gagne pas à cause de ça, même contre le PSG, il y a eu un tournant, on se dit, si Lewandowski marque cette occasion-là, là tu t'enlèves cette dépendance-là. Lorsque tu arrives à créer du danger comme ça, de partout, Rafinha, sur un bon jour, il peut te mettre un triplé, Lamine Yamal, sur un bon jour, il peut marquer deux buts comme ça, Pedri, Dani Olmo, etc. Ben, tu t'enlèves cette dépendance-là à devoir te dire que si un mec de 36 ans, 37, 36 ans, pardon, ne marque pas, ben t'es foutu. Non, là, le problème, celui, je veux dire, c'est plus un problème pour lui, c'est plus Lewandowski, en fait. Là, Lewandowski, s'il était un minimum clinique dans le but, il serait à 7-8 buts déjà en Liga. Facile. Et encore, je suis gentil lorsque je dis ça. Pour l'instant, ça ne lui est préjudiciable qu'à lui, Lewandowski, pas au Barça, parce que le Barça fait 100, encore une fois, un but sur les 11 marqués sur les deux derniers matchs, mais il va falloir qu'il se remette en fait à l'endroit, parce que si jamais demain tu as une adversité encore plus forte, et que, voilà, Lamine Yamal dans un jour 100, Rafinha dans un jour 100, va falloir que ton 9, celui sur qui tu comptes pour marquer des buts, soit au niveau. Même si le Barça de Flick crée du danger un peu partout, c'est pas dans tous les matchs où il aura besoin de 2-3 occasions pour mettre un but, donc j'espère pour lui qu'il va vite se remettre à l'endroit, parce que dans le jeu, encore une fois, il n'est pas autant catastrophique que la saison dernière. Cette saison là, il aurait été dans les mêmes standards que la saison dernière, avec le Barça de la saison dernière, ce match on ne le gagne pas, donc va falloir qu'il se remette à l'endroit, mais le danger, encore une fois, il vient de partout, et si le danger vient de partout, ça fait quoi? Ben ça déresponsabilise Lamine Yamal, même si c'est lui hein, qui ouvre le score et qui met le deuxième but, tu as cette impression que même lui, le Barça aurait pu ouvrir le score de manière différente. Et lorsque tu multiplies, tu diversifies aussi ta manière d'attaquer, lorsque les buteurs sont différents, lorsque Pedri peut se projeter marquer des buts, lorsque Olmo peut se projeter marquer des buts, Lewandowski, Rafinha, ben les adversaires ils savent plus où donner de la tête en fait, ils savent plus qui surveiller en priorité, parce que ben, si tu surveilles tel joueur, tu laisses un autre un peu plus libre, même Baldé en fait tu le laisses un peu plus libre comme il a eu des boulevards hier, ben il peut te faire mal sur un bon jour. Après lui va falloir qu'il règle la finition, mais ce que je veux dire par là, le fait de multiplier la diversité des dangers dans une équipe comme ça, franchement ça là pour le long terme, dans un championnat, ça va te sauver énormément de fois. Si je fais un peu le parallèle, vous vous rappelez, lorsque Messi était là, Messi se chargeait de faire tout le boulot, les autres le regardaient faire, je détestais ça. Si vous vous rappelez des débriefs à cette époque-là, je détestais ça. Je venais ici, même lorsque le Barça gagnait parfois 4-1, 5-0, et que Messi avait fait tout le boulot, je vous disais, ouais, c'est bien, Messi extraterrestre, mais les autres, ok, on fait quoi avec les autres? Parce que moi, je savais que lorsque tu allais arriver avec certaines adversités, le fait de dépendre autant
talent d'un seul et même joueur, que ça allait caler en fait. Messi, aussi bon soit-il à l'époque, aussi bon était-il, il pouvait pas porter le Barça sur ses épaules à 30 ans passés face à des adversaires qui n'attendent que lui en fait. Donc ça, c'est bien comme ça, de diversifier la provenance du danger dans cette équipe-là, de la rendre encore plus illisible, parce que pour le long terme, pour le long run comme ça, ça va te faire du bien. La troisième chose à retenir, les amis, c'est que Pedri est de retour en fait. Pedri, mais quand je parle de Pedri et de retour, je parle déjà en termes statistiques, mais aussi en termes de football, en termes de physique, en termes de volume de jeu. Je l'avais déjà dit hein, dans un débrief comme ça, brièvement, que je pense que je retrouve de plus en plus le Pedri que j'ai connu à l'époque, le marathonien. Mais là, en fait, je trouve qu'il s'est encore amélioré. Parce que, vous savez, Pedri, ça va vous faire rire, mais il est à 2 buts en 5 matchs de championnat. Est-ce que vous savez c'est quoi les stats de Pedri en termes de buts la saison dernière en championnat? C'était 4, donc là il est déjà à la moitié de ses buts marqués là, toute la saison dernière, en seulement 5 matchs cette saison, il en est à la moitié, donc je pense qu'il est sur une bonne lancée. S'il continue comme ça, je pense qu'il peut aller atteindre les faciles, les 10 buts, les 5-10 passes décisives, si à côté tu as les autres aussi qui contribuent, il peut faire une grande saison en fait, parce que son problème à lui Pedri aussi, c'est que souvent il distribuait des caviars les ans dernières, mais les autres ils convertissaient pas, et lui il tire jamais non plus, lorsqu'il a des stats faméliques comme ça, qu'on lui crie dessus de tirer, mais c'est à cause de ça. Tu regardes la fiche de stats de Pedri, franchement tu as envie de l'étrangler, parce que tu sais qu'il est capable de marquer des buts, il est capable de créer, de marquer, de faire des passes décisives, de faire jouer, tout ça en même temps il est capable de contrôler, et pourtant cette saison il joue beaucoup plus bas. Sur le but contre le Rayo, il part du double pivot, mais il part de plus bas, il remonte avec le ballon. Et là, il joue en numéro 10 pour remplacer Dani Olmo. C'est à ce moment-là qu'il se retrouve en position une fois encore de marquer. Donc là, ce poste de numéro 10, je ne sais pas si Olmo sera absent face à Monaco ou même face à Villarreal. Mais le remplaçant naturel de Olmo à ce poste-là, c'est bien sûr Pedri. Mais ça, encore une fois, on en parlera dans l'avant-match de la rencontre pour Monaco. Mais ce qui me fait plaisir en fait avec Pedri, lorsque je le vois jouer, tu sens la joie de vivre en fait, tu sens qu'il est épanoui enfin, il a trouvé. Après c'est pas pour cracher sur Xavi, parce que c'est Xavi aussi qui lui a donné un nouveau rôle sur le demi-espace gauche, lorsqu'il jouait comme vous savez faux ailier gauche là dans le milieu à 4. Je pense que Koeman là, ils ont tous apporté quelque chose à Pedri dans sa carrière, tous ces coachs là lui ont apporté quelque chose à des degrés différents, mais ce que Flick est en train de lui donner comme liberté là, c'est le Pedri en fait qu'on a envie de voir, celui qui est partout, omniprésent, là lorsqu'il faut sortir les ballons, avec la tranquillité qu'on lui connaît, il ne perd pas un ballon, c'est la banque en fait, il perd jamais un ballon dans les sorties de balles, mais aussi dans la construction du jeu, dans la gestion du tempo. En fait, Pedri, c'est une sorte de Xavi et Iniesta en même temps en fait. Si tu veux qu'il contrôle le tempo, il le fera à merveille. Si tu veux qu'il élimine, qu'il apporte du danger, qu'il monte avec le ballon pour casser des lignes, il le fera aussi. Si tu veux qu'il se retrouve à faire des appels comme second attaquant numéro 10 à épauler un mec comme Lewandowski, il le fera. Je l'ai dit hier dans le débrief, le seul poste où je pense que Pedri ne serait pas à l'aise, peut-être ce serait au poste de gardien de but. Et encore, on n'a pas testé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, le Pedri qu'on aime voir jouer pour les esthètes qui aiment regarder des joueurs comme lui, franchement, s'il ajoute les stats à tout ça, parce que Pedri, en règle générale, les gens n'ont pas besoin de stats pour kiffer un joueur pareil. Mais lorsqu'il rajoute les stats comme il le fait là, le Barça ne peut que mieux aller, en fait. Donc j'espère pour lui qu'il va continuer comme ça, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de manque de respect vis-à-vis de Pedri, par rapport aux gens qui ne regardent pas les matchs, qui ne se fient qu'aux statistiques. Vous regardez hein, sur les réseaux sociaux, vous verrez, la première chose sur laquelle Pedri se fait attaquer, surtout dans le football de Twitter anglais, là, c'est par rapport à ses statistiques, lorsque là, ça le compare à des Odegaard, à Bellingham, tout ça, ça parle tout le temps de statistiques pour le rabaisser, et ses blessures, tout ça. Donc je pense qu'il est temps, en fait, que Pedri mette les pendules à l'heure, qu'il vienne, en fait, s'affirmer comme un joueur capable de stater, de marquer des buts, de se projeter dans la surface de réparation, de faire des passes décisives, même si ça, c'est pas de sa faute, s'il donne des caviars que les autres y bouffent. Donc j'ai envie, en fait, qu'enfin, cette saison, qu'il s'affirme comme un mec aussi capable de stater, de dépasser enfin la barre des 5, des 10 buts, en fait. Il en est capable, totalement. Il a les qualités pour, c'est juste qu'il ne tirait pas assez avant. Maintenant, on le voit sous Flick, qu'il est beaucoup plus entreprenant dans le dernier tiers du terrain. Donc, à surveiller. Le quatrième enseignement, c'est tout simplement le facteur peur. Vous savez, la dernière fois, j'avais évoqué le facteur peur, mais cette fois-ci, dans un contexte différent. En fait, la peur a changé de camp. Lorsque je dis que la peur a changé de camp, c'est pas plus vis-à-vis des adversaires du Barça, mais c'est plus par rapport au Barça lui-même. Parce que le Barça avait cette fâcheuse habitude à se saboter, à se saborder les matchs
tout seul. Je me rappelle la saison dernière le nombre de fois où le Barça avait l'occasion de tuer des matchs lorsque... on va pas aller loin, on va prendre le match de Gironne de la saison dernière. Au bout d'un moment, tu as l'occasion de tuer Gironne. Il me semble que tu menais 2-1 ou 2-0 avant que Gironne mette 2-1. Tu rentres au vestiaire à 2-1, tu es devant au tableau d'affichage, tu reviens derrière, tu te fais remonter, tu encaisses un 4-2, tu te fais humilier. Vous vous rappelez aussi d'un match au Celta Vigo, c'était sous Barouane, je pense, où le Barça mène 3-0. Ouais, vous ne rêvez pas, 3-0. Ils se font remonter derrière en deuxième période. Et lorsque je parle de peur par rapport au Barça, même nous en tant que supporters, les dernières années, là, lorsque le Barça avait un score de 1-0, 2-0, voire 3-0, un score favorable, ben, on avait toujours cette peur-là. On se disait, ah, on va finir par se faire remonter dès qu'il y aura un grain de sable dans la machine. On était tous comme ça. On était traumatisés, en fait. On avait tellement reçu de remontada qu'on se disait que ben, même peu importe l'équipe qu'on avait en face, si on ne réussissait pas à tuer les matchs, ben, il y avait de très grandes chances de se faire remonter. Là, le Barça que je vois cette année, c'est pas que les adversaires ont peur, mais que le Barça n'a plus peur en fait. Le Barça aujourd'hui est une équipe qui a confiance en elle. Ce Barça-là, là, si tu laisses ce Barça prendre l'avantage sur toi, s'ils te mettent un 1-0 ou un 2-0, en fait, dès qu'ils prennent l'avantage au score, il y a de très grandes chances que derrière, que ça se termine en boucherie en fait. Parce que tu vas te livrer, tu vas essayer de remonter au score, et c'est là que ce Barça-là est encore plus létal. Parce qu'à chaque fois que tu vas laisser des espaces, il y a des joueurs qui s'engouffrent, il y a des joueurs qui sont à l'aise dans le jeu de transition rapide, même sur attaque placée en fait. Une fois que ce Barça-là prend l'ascendant sur toi au niveau du tableau d'affichage, c'est très 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 difficile de revenir en fait. On a déjà vu les configurations des matchs dans lesquels le Barça part derrière au tableau d'affichage, notamment contre Valence, contre le Rayo. On a vu la capacité de réaction derrière, de revenir et de gagner les matchs, mais on n'a pas vu encore depuis le début de la saison le Barça qui ouvre le score, qui se fait remonter derrière. Certes, il y a eu l'égalisation de l'Athletic Club, mais derrière, je veux dire, l'Athletic qui peuvent se manger un 3-0 avant le 1 but partout, voire même 2, 3, 4, 5-1 à la fin du match, ça ne choque absolument personne. Donc cette équipe-là, elle joue avec de la confiance en fait. L'impression que si jamais ils sont devant au tableau d'affichage, ça y est, ils vont te tuer, ils vont te maltraiter en fait. Lorsque je vois des combinaisons parfois, lorsque ça doit sortir les ballons, même lorsque ça récupère des ballons, je voyais très souvent la saison dernière que ça repartait d'abord vers Ter Stegen pour essayer de se rassurer. Et s'il n'y a pas de solution pour sortir les ballons sur les côtés ou une solution évidente pour le jeu court, tout de suite ça balançait sur Lewandowski qui servait de point d'appui et on essayait de jouer sur les seconds ballons ou alors des remises de Lewandowski sur une tête pardon pour Lamine Yamal, etc. Là c'est pas ça. Lorsqu'il y a le pressing de Gironne, parce que Gironne est une équipe qui presse bien aussi normalement, Gironne à chaque fois qu'il venait presser le Barça très haut, la solution préférentielle, la solution principale numéro 1 n'était pas Ter Stegen, c'était d'abord de regarder dans le camp adverse c'est quoi la solution de passe avant de regarder Ter Stegen. En fait, ça c'est une question de confiance, tout simplement. Si tu as confiance en ton karaté, si tu as confiance en ton football, lorsqu'une équipe vient te chercher haut, tu vas pas tout de suite comme ça remettre le ballon en retrait à ton gardien et puis écarter pour essayer de trouver des solutions. C'est toi déjà, le ballon avec dans les pieds des défenseurs, c'est à partir de là qu'ils commencent à regarder des solutions dans le cœur du jeu, sur les côtés, soit des ballons longs ou des ballons courts. C'est là en fait, tu n'as pas peur du pressing de l'adversaire, même s'ils viennent te chercher haut. Les attaquants, ils viennent là avec les défenseurs, ils vont pas se débarrasser du ballon ou le balancer. Ils vont garder leur calme parce qu'ils ont confiance en eux. Le cinquième et dernier point, c'est peut-être une évidence, hein, mais Lamine Yamal a passé un cap, les amis. Un nouveau cap, parce que vous savez, lorsque la saison se terminait la saison dernière, je vous disais que j'espère que la saison prochaine qu'il réussira à confirmer cette saison. Du moins, je voulais que cette saison il confirme. Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ce qu'il a fait durant l'Euro. Donc déjà, lors de l'Euro, il a passé un step, d'accord, parce que il était là, il était décisif, il créait des occasions pour ses partenaires. Mais là, Lamine Yamal de cette saison que je vois depuis le début de la saison, il a encore passé un step depuis l'Euro. Parce que vous savez, je vais vous mettre cette image-là, la saison dernière, entre Lamine Yamal et Lewandowski, lorsque Lewandowski lui criait dessus de ne pas lui donner le ballon, etc. C'est fini ça, ça c'est terminé. Hein. Là, c'est terminé. Lewandowski, là, je pense qu'il n'ose même plus le faire, même si c'est un joueur exceptionnel dans la carrière, dans ce qu'il a réalisé. Lamine Yamal n'est rien pour l'instant par rapport à ce que lui, Lewandowski, a accompli. Mais aujourd'hui, Lewandowski ne le voit plus comme un gamin en fait.
Ils ne le voient plus comme un enfant qui essaye de provoquer, de s'amuser, de créer du danger. Non. Lewandowski le respecte maintenant. Lewandowski, il a gagné le respect de ses coéquipiers, il a gagné le respect d'un joueur légendaire comme Lewandowski. Lorsqu'il prend sa chance maintenant et que Lewandowski était disponible, vous ne verrez plus Lewandowski lui crier dessus. Peut-être oui, il va s'agacer parce qu'il aimerait recevoir les ballons comme tout attaquant, normal. Mais c'est terminé ça. Ces actions, ces gestes d'humeur là, de le limite, de le prendre comme un petit de la classe, c'est terminé. Lamine Yamal est passé dans une nouvelle sphère en fait. Le joueur qu'on voit actuellement, c'est un joueur capable de faire gagner des matchs à son équipe, à lui tout seul. Lorsqu'il est dans un bon jour, il est capable de faire gagner des matchs importants à son équipe, à lui tout seul. Et ça, Lewandowski l'a capté. Et ça, ses coéquipiers l'ont capté. Les appellations de meilleur jeune joueur, meilleur jeune, etc. Tout ça, là, c'est terminé, en fait. Lamine Yamal est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas moi qui le dis par excès, par exagération. C'est factuel. Il fait partie des 30 meilleurs joueurs du monde. Il est nominé parmi les 30 meilleurs joueurs du monde pour le Ballon d'Or. Et il y a de très grandes chances qu'il soit dans le top 10, ou en tout cas qu'il s'en rapproche énormément. Et si on regarde à l'heure actuelle sur la forme du moment, je ne vois pas 10 joueurs aujourd'hui meilleurs que Lamine Yamal depuis l'Euro qu'il fait, en fait. Sur la continuité de ce qu'il fait, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est aussi simple que ça. On parle d'un gamin qui vient d'avoir à peine 17 piges. Je sais pas si on se rend compte, les amis. Je sais vraiment pas si on se rend compte. Moi, j'arrive plus à normaliser ça. Lorsque Ansu Fati venait d'exploser, on en parlait, on était émerveillés aussi. Mais là, ce que Lamine Yamal est en train de faire sur la continuité, sur la durée, t'as l'impression qu'à chaque match, il est en train d'évoluer, à chaque 3 matchs, il est en train de progresser dans d'autres aspects, ça fait peur. Tu te dis, c'est quoi son plafond, en fait? Parce que 17 ans, c'est rien. C'est rien du tout, 17 ans. Ça va être quoi quand il aura 21 ans, lorsqu'il est censé être dans son prime vers les 23, 24 ans, s'il continue, en tout cas sur sa lancée linéaire sur laquelle il est, espérons que ce soit le cas, parce que rien ne dit qu'un joueur continuera crescendo à monter, hein, c'est pas quelque chose de totalement naturel, les progressions, il y a des joueurs qui stagnent aussi. Mais là, le niveau auquel il joue depuis le début de la saison, c'est le niveau d'un joueur confirmé parmi les meilleurs joueurs du monde à 17 piges. Ça n'a aucun sens. La seule chose qui m'inquiète, c'est sa gestion. J'espère vraiment pour le coup que Flick va vraiment commencer à le reposer de plus en plus, parce que la dernière fois contre Valladolid, il a joué quasiment les 90 minutes. Hier contre Gironde, là encore, il joue quasiment les 90 minutes. Il sort que vers la fin. Ça serait bien, lorsque les matchs sont pliés, de le reposer. Franchement, parce que faut prendre soin des pépites pareilles. Parce que l'Espagne, eux, ils vont pas le ménager. Hein. Faut pas compter sur l'Espagne pour le ménager. Je sais pas par quel miracle Luis de la Fuente l'a sorti à la mi-temps la dernière fois contre la Suisse. Mais nous, de notre côté, il va falloir qu'on prenne soin de nos pépites. Parce que trop jouer à cet âge-là, il a peut-être même pas encore fini sa croissance. Attention quand même. Maintenant, en conclusion, si je dois terminer par une petite note négative par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est que pour la première fois depuis le début de la saison, le Barça a un peu, même pas un peu, beaucoup levé le pied après le 4-0. Après, tu joues à l'extérieur, c'est Gironde quand même en face, ils ont du répondant, c'est une équipe qui a du ballon, ça on a tendance à l'oublier, donc c'est loin d'être le scandale du siècle de les voir vouloir sauver l'honneur. Par contre, je trouve que le Barça a quand même un peu trop subi après le 4-0. De situations, d'occasion même, avant l'égalisation, voilà, ils se sont procurés quelques situations chaudes. J'espère juste que c'est passager et qu'ils vont pas tout le temps lever le pied comme ça à chaque fois qu'ils mèneront après. Écoute, 4-0, on va pas leur en vouloir. Là, je chipote. Là, sincèrement, pour ceux qui me diront dans les commentaires que je chipote, je serai d'accord avec vous. Je chipote pour le coup parce que on peut pas demander à ces gars-là, à chaque week-end, de venir mettre un 4-0 et de garder tout le temps la même intensité, même après un 4-0. Je vous le concède. Juste que j'ai pas non plus envie de voir un Barça en souffrance vers les fins de match. J'aimerais bien, même si le Barça ne continue pas à attaquer, mais que le Barça garde quand même une certaine maîtrise du ballon, faire tourner pour garder le score, tout ça. 4-0, c'est compréhensible. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire de négatif. Si encore ça, c'était négatif. Bref, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.